Fallout New Vegas, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite quête secondaire, salut Boone, qui nous emmène dans le camp des Grands Khan. Donc il faut savoir qu'ici il y a une région que j'ai surnommée la Vallée de la Mort. Pourquoi? Car c'est peuplé, mais quand je dis peuplé, c'est peuplé de saletés de bestioles que l'on appelle les écorcheurs dans Fallout 4, et qui sont là depuis très 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 longtemps, et qui est un mixte entre un tank pour l'armure et un tank pour la puissance de feu. Voilà, le décor est planté. Maintenant, on va aller voir un peu ce que l'on peut gratter. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? J'attends une livraison, mais rien à l'horizon. J'imagine que les griffes morts de la carrière n'y sont pas pour rien. De quoi fabriquer de la dope? La RNC est la meilleure source. Il est difficile de se procurer ce genre de substance ailleurs. On consomme pas, on se contente de revendre aux plus offrants. Si en plus ça nuit à la RNC, c'est pas plus mal. C'est pas le grand amour entre les Khan et la RNC. Ces hommes nous tirent à vue, même si on cherche pas la bagarre. Aux yeux de la RNC, ça m'étonnerait. C'est vrai? En quoi ça vous intéresse? D'accord, ça me paraît juste. Si vous nous aidez, je vous devrai un service. J'attendais une livraison de produits. Généralement, c'est une valise que quelqu'un laisse dans une de ces grandes machines. Je suppose que la valise est toujours à Sloane à cause des griffes morts. J'aimerais que vous alliez jeter un œil et que vous me la rapportiez. Mieux vaut éviter d'en boire ou d'en manger, mais ils n'exploseront pas si vous les laissez tomber. Si vous pouvez l'éviter, ne tuez personne. Je suis éclaireur et je préfère rester discrète. De quel genre? Nous sommes un groupe indépendant. Nous prenons soin des nôtres et nous n'obéissons à personne, et surtout pas à la RNC. Bitter Springs. Des femmes et des enfants sont morts quand la RNC a attaqué les Grands Khan là-bas. Mais elle fait comme si c'était jamais arrivé. Notre campement principal se trouve à Red Rock Canyon. Mais nous n'y acceptons pas n'importe qui. La RNC ne peut rien contre nous là-bas. Trop de risques d'embuscade. On aperçoit de temps en temps ces éclaireurs, mais ils n'approchent pas. Ça n'a pas été facile. Le rituel d'initiation est assez dur, et j'ai des cicatrices pour le prouver. Mais j'ai réussi à assez m'endurcir pour être acceptée. J'ai jamais été aussi fière de toute ma vie. Ok, donc il va falloir que nous allions à Sloane. On va juste mettre ça. Donc Sloane est ici. Il y a deux possibilités. Soit je me tape ici et j'arrive à Sloane par la route, soit j'essaye de faire un peu la région en essayant d'éviter donc les griffes morts. C'est les griffes morts. Donc oui, les griffes morts, c'est une vraie plaie. Typiquement, ce que je fais généralement, c'est que j'utilise mon arme à distance pour pouvoir les sniper. Alors, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Il est passé. Mais parfois ça fonctionne, donc je disais parfois ça fonctionne pas. Et c'est surtout que si il arrive à nous voir, bah après ça pique les yeux quand même. Enfin, les yeux. Je dirais à un autre endroit de mon anatomie plutôt. Et la fuite est inutile puisque de toute façon il court beaucoup plus vite que nous. Il fait très très mal. Un plaisir de vous voir, partenaire. Mais il le revoit là. En roulant sur mes éperons. On dirait bien que je vais finir par arriver à New Vegas un jour, finalement. Ouais, ça va jouer entre vous et le pied tendre. Vous faites pas trop de mourons. À mon avis, c'est le genre grande gueule et rien derrière. Le pied tendre? Non, pas de trace de lui depuis l'affaire de Good Springs. Il a dû aller se cacher sous son édredon à New Vegas. Ouais, mais ça commence à devenir gênant. Ça va finir par faire jaser. Tâchez de mettre la main sur moi quand vous serez à New Vegas. J'offrirai la première tournée. Alors, c'est à la fois intéressant et à la fois intriguant. Est-ce qu'il me file le train, Victor? Ou bien. On va rester sur le bien. Donc oui, ce que je disais, c'est que les griffes morts...
et éviter comme la peste, en tout cas en attendant d'être beaucoup mieux équipé, que ce soit en termes d'armure, mais également en termes de puissance de feu. Là, si je tombe, alors les jeunes griffes morts, je peux à peu près les maîtriser à partir où on tombe sur un griffe mort adulte. Là, ça fait pleurer, puisqu'il encaisse tout. Même avec des balles perforantes, j'ai l'impression que ça lui fait rien du tout. Donc, alors, on va plutôt les éviter. Hein. Je vous laisse regarder quand même un peu la zone, ce qui s'y cache. Ça, c'est du jeune. Ça, je pense que c'est une femelle. Il est juste énorme, celui-ci. Oh, peut-être des choses à aller chercher. Hein. Mais bon, là, clairement, on ira quand on sera un peu plus dopé. Parce que là, le risque est trop grand de faire un pool multiple et juste de mourir. Ah oui, alors ça aussi c'est pareil, ça c'est la magie du jeu. Donc là, il vient de me repousser, puisque je n'ai pas le droit de passer par-dessus. Les éléments montagneux. Oh putain. Je crois que je vais finalement me TP. Je me demande si je vais pas me TP quand même à. Au mémorial, parce que là ça craint un peu. Ouais, si mon collègue il pète un câble et il décide d'attaquer. Ah, mais Boone il est déjà là-bas. Ah, bah du coup je suis tout seul en plus. Oh, attendez, on va essayer de voir. On va faire profil bas. Parce que je fais une sauvegarde quand même. Parce que ça m'embêterait. De mourir. Regardez le profil bas. Là, la tension est à son maximum. Il y a du lourd là. Là, je vous le dis, il y a du coquin, il y a du coquin. Et je vous montre quand même si. Ah, par contre, j'ai découvert la zone. J'en demandais pas tant, mais est-ce qu'il y a surtout une sortie pour aller vers Sloan? Ça, c'est la grande question que je me pose. A priori, j'ai envie de dire oui, puisque autrement, comment le messager aurait pu passer? Ah, il aurait peut-être pu. Ah, il aurait pris le même chemin que moi au final. Ouais, là, c'est mort, je pense. Ouh là là, oui, non. Allez, hop, on va se taper au mémorial de Yancey. Restons prudents. Un mémorial, donc ici vous voyez tous les noms des personnes qui sont mortes. Je pense que ça doit être en rapport avec la guerre contre la Chine, hein, puisque le Yangtze est un fleuve chinois qui a dû se passer quelque chose. Malheureusement, on n'a pas accès à la plaque commémorative, et ça c'est bien dommage. Pour savoir ce qui a pu se passer ici, bref. J'arrêterai de m'en renseigner. Alors, en toute cause, les ennemis présents ici devraient être beaucoup moins virulents. Et ça, je l'avais pas vu, ça. Ça, oui, je l'avais même pas vu la dernière fois, pour tout vous dire. On en profite. C'est des choses. Être une femme de nos jours, très bien. Il faut reprendre un petit truc, ça en prend. De faire cuire des trucs, mais mettre du feu comme ça, c'est pas ce que je fais en premier. Ok. Donc, on a dit que nous allons continuer vers Sloan. Oui, j'étais pas loin, là c'est la carrière, mais en fait on peut pas passer par-dessus, il faudra vraiment prendre le seul chemin possible et disponible. Je trouve dommage. Quel jeu est quand même intéressant.
Le jeu est quand même intéressant si on compare avec le 3 et le 4, bien entendu. Ce jeu a deux grosses factions, plus une myriade de factions autour qui traînent. C'est quand même pas mal. Enfin, disons que le scénario est déjà bien tourné à la base. On a scorpion. Très bien. Ouais, là, je suis quand même un cran au-dessus par rapport au bestiaire qui est de la zone. Mais un cran en dessous par rapport à ce que présentent les griffes morts. Bon. Les griffes morts sont vraiment une classe au-dessus. Et on retrouve enfin la peur du griffe mort. Parce que dans le 4, au final, vous le rencontrez très vite, mais vous le dépopez tellement rapidement que bah, même en légendaire, bah, la peur n'est plus là, j'ai envie de dire. Alors que là, très sincèrement, ça balance du lourd, ça balance du très très lourd. Donc je sais que je suis en mode adulation avec eux, étant donné que j'ai dû éliminer certainement les poudriers. Donc ils sont plutôt amoureux de moi ici. Hop, on va y aller. On va discuter avec les gens, peut-être que même il y aura des quêtes annexes à récupérer ici. Ce dont je ne doute pas. Allons-y. Attention, il y a toute une meute de griffes morts un peu plus loin, au nord. À votre place, je ferai demi-tour. Si vous allez à New Vegas, je vous conseille de partir vers l'est après prime, puis de faire une boucle vers le nord. C'est carrément plus sûr. Ils sont entrés dans la carrière après le passage des poudriers, qui sont partis avec presque toute notre dynamite. Nous avons fermé la carrière en attendant que la RNC nous amène des bâtons d'explosifs. Mais maintenant, les griffes morts se montrent. La RNC, elle, ne s'est jamais montrée. Et mes hommes et moi, on se retrouve assis sans rien faire toute la journée. C'est pénible. On en voyait de temps en temps, mais ils n'avaient pas l'air de vouloir s'approcher de la carrière. Peut-être à cause du bruit, ou des mineurs. J'arrive pas à croire que toute une meute soit entrée dans la carrière. Je pensais qu'une poisse pareille, ça n'existait qu'à New Vegas. Ce sont d'anciens détenus en cavale, ils viennent du sud. La RNC les exploitait pour entretenir les rails. Ça faisait partie de leur peine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais les poudriers sont dans la nature. C'est un de leurs groupes qui s'est emparé de notre réserve de dynamite. Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous pourriez peut-être y arriver. Les griffes morts sont coriaces, mais vous avez l'air encore plus coriace. Personne ici ne pourra vous aider contre les griffes morts, mais vous pouvez prendre ces réserves médicales. Vous en aurez sûrement besoin. Pour bien faire, il faudrait se débarrasser de la mer et du mal alpha. Ça devrait faire fuir les autres. Ok. Ici, on est à Sloan, un camp pour les mineurs. La carrière, elle, est au nord d'ici. Elle s'appelle Quarry Junction. Tout ça est financé par la RNC. Nous fabriquons du ciment pour la RNC, avec le calcaire qu'on mine avec de la dynamite et des excavatrices. C'est un sale boulot, mais ça paie bien. Mais on préférerait être payé en capsule. Il n'y a pas beaucoup de marchands qui acceptent les billets de la RNC. Probablement pour construire des fortifications. Tout est expédié sur les rails jusqu'à Boulder City et jusqu'au barrage Hoover. C'est une grosse machine qui déplace des piles de roches. C'est de la technologie d'avant-guerre, alors faut cogner dessus de temps en temps. Non, la RNC essaie de relancer l'usage de l'argent papier comme avant la guerre. Le problème, c'est que le taux de change est pas terrible. Par exemple, 100 dollars de la RNC, ça vaut la moitié en capsule. On sent bien qu'on se fait enfler, mais bon, faut travailler. Ok. Bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur New Vegas ? J'y ai été une fois, et je déconseille la visite à tout le monde. À moins d'avoir envie de cramer sa paix du mois en 5 minutes. J'ai vu beaucoup de gens passer par ici, plein d'espoir. Ils pensent que la vie sera facile quand ils arriveront là-bas. Eh ben, c'est jamais le cas. Ok, donc des griffes morts à les tuer, mâle alpha et la femelle. Bon, je pense avoir... cibler les personnes concernées dans la mesure où leur couleur était quand même assez différente et facilement repérable. Est-ce que je vais le faire tout de suite? Bon, ça. Certains jours, je me dis que j'aurais dû rester en Californie. Je ne pense pas. Il y a quand même du lourd en face. Hein. On verra. Est-ce que je le ferai? Peut-être pas.
apparemment il va super bien. Bon, j'ai soigné le rataupe. Moi les rataupes, s'ils sont gentils, je les tue pas. C'est juste que parfois ils m'attaquent et ça j'aime moins bien quoi. Alors, et bon, la RNC a de la chance de vous avoir. Donc là après c'est que du vol. Pour le faire. Comme d'hab, vous me connaissez, je regarde juste peut-être qu'il y a un bouquin qui pourrait être intéressant, mais a priori non. Okay. Oui, j'ai des petits à-coups comme ça où je suis décalé vers un coup, si j'avais du lag en fait. C'est quand même bizarre. Bref. Ici, y a-t-il des choses à prendre? Non. A priori, il n'y a rien du tout à voler ici. Ah oui, si, bah justement, hé. Il doit y avoir de la dope. Ah, la valise est là. C'est des cartouches de cigarettes. Attends, écoutez, je suis caché. On peut toujours voir ici, peut-être des choses intéressantes. Les capsules, je ne vole pas les capsules des autres. Là, c'était juste pour l'XP, pour le plaisir, pour l'excitation. J'espère que tout va bien pour vous. Bon écoute, ouais, on va pas se plaindre. Hein. Radio, télévision. Radiation King, c'est bon ça. Il n'y a pas de bouquin pour s'éterniser, pas plus. Bon, c'est une petite brigade assez sympathique tout de même. Le Old Merce. Et... Je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez mangé de meilleur dans votre vie? Des couilles de lapin. Ah ouais? C'est incroyable que certaines personnes mangent encore ces trucs. Mais bon, j'ai une recette d'omelette de griffe mort que j'aimerais essayer. Le problème, c'est qu'il faut un œuf de griffe mort. On n'a rien sans rien. Ah ouais, rien que ça, quoi. Ma grand-tante Rose tenait une chambre d'hôte en Californie, dans une ville appelée Modoc. C'est d'elle que je tiens cette recette. Je ne sais pas comment elle a capturé une femelle griffe mort, mais elle l'a gardée dans une grange. Elle n'était jamais à court d'œufs. Du moins jusqu'à ce que quelqu'un se pointe et tue le griffe mort d'une balle dans l'œil. La carrière au nord d'ici grouille de griffe mort. Alors il doit bien traîner un œuf ou deux quelque part. Bien sûr, n'importe quel œuf fera l'affaire. D'après ma tante Rose, il se conserve très longtemps. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'accepterai de confier le secret de cette recette. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oh non, je suis en route pour New Vegas. On dit qu'on y vit bien là-bas et que surtout, la RNC ne met pas trop le nez dans vos affaires. J'y arriverai bien un jour. Il paraît qu'on peut même aller sur le strip quand on est riche. J'y suis née et j'y ai grandi. D'après mon grand-père, ça va mieux que jamais en Californie. Il n'y a presque plus de raiders et on peut trouver du travail dans un atelier ou une ferme. Mais il y a des impôts, des lois, ce genre de choses. La RNC assure la paix et l'ordre. Mais on s'y ennuie. Alors j'ai décidé de venir sur la frontière. D'accord. Vous voulez boire ou manger quelque chose? Bien sûr. Eh bien, il y a les griffes morts, bien sûr. Et un groupe de poudriers est venu piquer toute la dynamite. Je crois qu'ils sont trop pauvres et trop peu nombreux pour qu'on s'en inquiète. Mais je garde une arme près de mon lit, comme tout le monde. Ok, très bien. Bah écoutez, on va se casser. Donc une deuxième paquette de récupérer au niveau de la carrière, à savoir donc récupérer un œuf de griffe mort, rien que ça. Ici il n'y a pas vraiment grand chose. Écoutez. Donc ceci étant fait, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller valider la quête auprès des grands cannes. Et à partir de là, peut-être, je dis bien peut-être... Irais-je m'attaquer au griffe mort? Ah ok, elle est vide à part une cartouche de cigarette. Je comprends mieux maintenant. Quelqu'un se serait peut-être servi en dope.
Ça, les grands cannes, ils vont pas être contents s'ils le savent. Tiens, monsieur, le gars, il est parti dans les carrières. Et là, ça va être compliqué, je vous le dis. Alors, je vous le dis comme je vous le dis. Vous avez besoin de quelque chose? J'avais remarqué que Snuffles boitait, mais je pensais pas que c'était sérieux. Merci. Cette brave bête est un peu la mascotte de cet endroit. Ah oui, je crois que je vois de qui vous parlez. Mais même s'il n'y avait pas de griffes morts dans la carrière, il n'y aurait pas de livraison. Le fournisseur, un type de prime, Tyron. C'est un sacré salopard qui refuse de livrer s'il n'a pas été payé d'avance. C'est ma fille. Elle ressemble un peu trop à sa mère, paix à ses cendres. Mais elle est heureuse avec les grands cannes. Ah d'accord. Ça me suffit. Je suis qu'un intermédiaire. Les grands cannes sont des vrais durs et certains sont des vauriens, mais ils sont pas tous comme ça. J'ai foi en la RNC, mais ça veut pas dire qu'ils ont le droit d'intégrer des gens qui ne veulent pas de la République. Pas faux. Il a toujours été louche, mais c'est la première fois qu'il m'entube aussi franchement. Bon, on va aller voir Tyron alors. Bonne chance. Donc il va falloir aller voir Tyron. Et Tyron, il a dit qu'il se situait... Non. On drive in the California Sunset. Ah non, après. Okay. Écoutez, on va se taper après. Tyron, Tyron. C'est un gars de la RNC, non? Bon là, normalement, tout le monde est revenu à la maison. C'est top. Ok, si tu viens du côté RNC, la corruption, c'est le mal. Non, c'est quand même pas un des chefs. Si. Tyron. Come on, bitch. On a Hey, salut! Tyron peut faire quelque chose pour vous? Bien sûr. Vous voulez que je me fasse planter? Parlez moins fort. Le lieutenant Hayes a déjà l'œil sur moi. Et j'ai déjà dit à Chomps que la RNC commençait à s'intéresser à ces marchandises égarées. Le risque augmente, le prix aussi. 300 capsules de plus. J'ai bien réfléchi et je crois que j'aurais tout intérêt à oublier mon bénéfice pour cette transaction. Très bien. Toi, toi c'est intelligent. Écoutez, non, je le ferai pas. Alors, pourquoi je le ferai pas? Je pense que les grands cannes peuvent réguler plus ou moins la taupe. Donc je leur fais confiance sur ce point-là en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous nous avez rendu ce service. Je m'y attendais pas. Ah, je veux que très bien. Les grands cannes paient leurs dettes et n'oublient jamais leurs amis. Si vous venez un jour à Red Rock Canyon, sachez que je dirai du bien de vous. Eh bah ben, écoute. Et effacez vos traces. Appréciation, les nouvelles, très bien. Je vous aime bien. Beaucoup d'autres nous ont lâchés, mais pas vous. Tout à fait. Mais écoutez, moi ce que je vous propose donc, c'est de mettre... Oh, regardez, on voit New Vegas d'ici. C'est de mettre un terme à l'épisode ici. Moi de mon côté, je vais essayer de voir en off, si c'est possible, de réaliser la quête des écorcheurs. Et je vous fais un retour donc très rapide. Soit avec une vidéo du coup où j'ai pu récupérer l'œuf et éliminer le mâle et la femelle de la zone, ou alors... définitivement trop dur pour mon niveau actuel, et on se retrouvera donc pour une nouvelle aventure. Donc à jour, merci toujours d'être aussi nombreux à suivre mes aventures. On se rapproche bientôt des fêtes de Noël, donc je ne sais pas encore si cet épisode sortira avant ou après. Je pense qu'il sortira avant, donc je me garde encore un épisode pour vous souhaiter de très bons vœux, une très bonne année, et passez surtout de bonnes fêtes en famille. Profitez-en bien, ayez tous les cadeaux que vous avez commandés, et en attendant, passez une excellente soirée ou une journée, et à ciao, à très bientôt. Ciao, ciao.